800 ans d'histoire. 800 ans d'histoire, non. Plus de 1200 années d'histoire, oui. Plus de 2800 années d'histoire. Le temple de Bouloubou a été construit par les bouddhistes. Voilà. Le temple de Bouloubou, Bouloubou. Ah oui. Les gens vont s'asseoir pour vous parler que non. Les catholiques, ils sont là depuis les années, depuis les siècles. Voici ceux qui sont là depuis les années alors. Temple de Bouloubou. L'œuvre des bouddhistes. Ah oui. On va faire comment? On va que les voler la vedette. On dit que c'était nos frères noirs. Que ce que vous voyez sur la tête là, comme les points points là, sur le matobo. Nous aussi on va voir ça aujourd'hui. On dit que Bouddha, sa coiffure était le matobo. Que c'était un noir. Ah si. Alors regardez le monde. Regardez le tourisme. C'est ça on dit la richesse d'un pays. C'est ça on dit la richesse d'un pays. Il y a un endroit attractif comme ça là chez nous. Est-ce qu'on en a pas? Bien sûr, on en a. On en a. Les endroits attractifs comme ceci là. On en a plein. Mais qui va le valoriser? Il y a quelqu'un qui doit le valoriser. C'est l'État, les pouvoirs publics. À valoriser tous les espaces touristiques. Bien sûr. Bien sûr. Tous les espaces touristiques. C'est l'État qui doit valoriser cela. Comme là, c'est déjà réservé. Pour monter là en haut, c'est déjà réservé. Tous les jours, 2500 personnes doivent monter là-bas. À raison de 15 dollars par personne. Pour imaginer combien ça coûte. C'est-à-dire, tous les jours, 2500 personnes doivent y monter en haut là-bas. 2500 personnes, tous les jours, doivent monter. Donc là, nous sommes arrivés en retard aujourd'hui. Donc on ne peut que faire le tour tout au long là. Ok? Mais là, c'est déjà réservé. 2500 personnes. Imaginez, on a ce concept dans notre pays. Njo argent dans les caisses de l'État tous les jours. Voilà ce qui veut dire un pays riche. Yeah. Un pays riche. Voilà. Ça, c'est là. À jamais, ça va rester là. Ça va rester là à jamais. C'est l'œuvre des bouddhistes. Voilà. L'Indonésie est un pays musulman. Ils n'ont pas dit, parce que nous ne sommes plus actuellement des bouddhistes, on doit casser. Non, ils n'ont pas cassé, ils ont laissé. Et ils se font de l'argent. Avec le temps, je voyage. Le problème de l'homme africain, si on veut bien regarder, c'est sa mentalité, sa manière de faire. Ce n'est pas une histoire même de langue. Mais franchement, ce n'est pas une affaire de langue. Ce n'est pas une affaire de monnaie. Parce que on a l'argent, mais on porte pour aller investir ailleurs. Donc avec le temps, si tu veux bien regarder, le problème des hommes africains, de nous africains, c'est ailleurs en fait. C'est notre manière de faire, notre manière d'être égoïste. Hein? On pense qu'à notre personnalité, pas aux autres. Vous voyez là? Hein? Vous regardez? Vous, hein? Tous les jours, 2500 personnes autorisées à monter là. Tous les jours, 2500 personnes autorisées à monter. Tous les jours, 2500 personnes. Voilà. Une personne, c'est 15 dollars. Ça fait combien? 15 dollars. Ça nous fait plus de... Regardez, tu mets là 1000, ça te fait 15 000 dollars. Donc plus de 30 000 dollars. Plus de 30 000 dollars. Tous les jours que les gars encaissent. Et là, c'est pour monter à l'intérieur. Maintenant, vous qui êtes là à côté, là, vous pouvez vous balader aux alentours. Voilà. Vous payez dans les 5 dollars.
Donc, tous les jours. Et comme actuellement, là, c'est déjà réservé. Donc, j'ai réservé pour demain. Donc, demain, j'aurai la place pour entrer à l'intérieur, visiter le temple des bouddhistes. Vous voyez un peu, non? Donc, les gars, ouvrons nos yeux, la famille. Ouvrons nos yeux, la famille. On peut se faire de l'argent. Oh, le pétrole. Oh, ah, dis donc. C'est ça, dis donc. Voilà le vrai argent. Le pétrole peut finir un jour. Ça s'écroule. On aménage encore, on arrange. On fabrique des trucs. On vous tape ça aux yeux. Mais oui, non. N'est-ce pas la dernière fois, ben, c'est quelle église là s'est détruite là-bas hein, en France? Hein? N'est pas la dernière fois. Hein? Ok. Aïmundo là. La dernière fois n'est pas votre. Ou bien c'est votre dame de Paris a pris feu. On a encore renouvelé tout. Hein? Allô? How are you? Good. Quand on prend Gabi, ça m'a souk. Oh, ya? Mais tapis, dis bas ou à descendre sur la choukoupe. Oh. So, di bawa dua sa, 1200 orang setiap hari. Yeah. Boleh masuk. Oh. Ah. Bonjour Mbok, comment tu vas? Tout, j'ai vu ton message. Moi, je suis en l'air, mon cher. La vie n'est pas facile, hein. La vie n'est pas facile. Il faudra que toi-même tu réfléchisses. Comment? Le Boza là, c'est même comment avec moi. Oh, yeah, yeah. Les gars, on travaille. Après, on va nous dire que non. Regardez comment nous, les hommes d'aujourd'hui, on passe le temps à admirer les choses des gens d'avant. Et demain, quelqu'un va me dire que mon grand-père, c'est qui? Ma grand-mère, c'est qui? Voilà ce que nos ancêtres ont fait. Ils ne sont plus parmi nous. Regardez comment on continue à célébrer les œuvres. Les œuvres sont attirantes. Hein? Les œuvres sont attirantes. Mais oui, regardez vous-même. Regardez comment. Regardez ce que les êtres humains ont fait. C'était les êtres humains comme nous. Regardez ce qu'ils ont fait. Hein? Tu vois que pour construire les gens, il faut avoir l'esprit tribaliste. Mais il faut être dans l'esprit de l'union pour construire un truc pareil. Wallahi. Mais oui, il ne faut pas mener une vie de débauche pour construire un truc pareil. C'est presque sur 3000 mètres carrés. Ouais, 3000 mètres carrés de bâtiment. Ouais, le bâtiment c'est presque sur 3000 mètres carrés. Oui, c'est classé 7e mondial. Mm-hmm. Patrimoine de l'UNESCO, 7e mondial. Voilà. Le temple de Bouloubourdou. Il y a les chambres à l'intérieur. Ah, les gens ont vécu à l'époque. Regardez vous-même le matériel. Regardez les gens de l'époque. Les gars ont vécu. Mof, il n'y avait pas le béton. Elle dit, mais tu ne peux pas porter, mon frère. Eh, les gens de l'époque. Non, non, les gars ont travaillé. Tu ne peux pas porter. Tu ne peux pas. Je dis que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On dit que détruis ça, toi seul, ça te dépasse. Ah, les gars ont vécu, les gars. Les gars ont vécu. Voilà, et c'est ce que moi je veux alors. Il faut marquer ton passé sur terre. C'est ça qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. On veut vivre juste. On ne veut pas démontrer qu'on a vécu un jour. Ah oui, on ne veut pas laisser nos traces. Voilà ce qu'on appelle les traces. Nous voilà, on paye. Ça nourrit des générations en générations. Ils ont fait des choses comme s'ils savaient que non. Nos générations futures vont venir payer pour voir. Et c'est normal, on les entretient. Voilà, donc on a dit qu'ils vont vivre à jamais. Changez de religion. Faites n'importe quoi. Voilà les gens qui ont vécu. C'est ça le problème. Devenez n'importe quoi. Devenez musulman comme vous êtes musulman aujourd'hui. Mais vous ne détruisez pas ça.
Voilà l'œuvre de vos ancêtres. Quand vous dites l'histoire est au-dessus de tout, les gens blaguent. L'histoire est au-dessus de tout. C'est ton originalité, c'est ça qui est toi. Que nous sommes les chrétiens, nous sommes les musulmans. L'Indonésie est un pays musulman. Mais ils n'ont pas détruit ça. Ils n'ont pas détruit. Ils n'ont pas détruit. C'est les bouddhistes qui ont fait ça. Attends, voilà les signes, non? Voilà Bouddha, non? Voilà Bouddha. Ils n'ont pas détruit. Tu vas détruire comment? On est le patrimoine mondial. Donc c'est tellement bon que ça ne vous appartient même plus. Ah, la vie. Eh, hey, bro. Ah, oui. Et c'est tellement bon que ça ne vous appartient plus. Donc quelque chose appartient à vos ancêtres. C'est tellement bon que ça ne vous appartient plus. Ah oui, vous voyez vous-même le monde. Petit frère, voilà ce que moi j'ai besoin. C'est vous qui avez peur. Oh, Mbanga Diaspora, tu n'as pas peur de mourir. Tu vas. Attendez, ceux-ci sont morts. Voilà ce qu'ils ont laissé. Je veux laisser une génération après moi éveillée, éduquée. Tous mes enfants, 20 ans, allez vous faire inscrire. Tous mes enfants, 20 ans, allez vous faire inscrire. À partir de 25 ans, je commence à dire à mes enfants, engagez-vous. Mais oui, va devenir candidat, même conseiller municipal de la ville. Vas-y, c'est moi, ton père qui t'envoie. Je vais te donner l'argent. Vas-y, je vais t'aider pour ta campagne. Vas-y, va t'engager. Va t'engager. N'importe où tu pars, mon fils, ma fille, quel que soit ton statut, va t'engager en politique. Je suis ton père, non? Je vais te donner les frais de dossier. Nous, on est là, on a peur de tout. On a peur. Tu es peureux. Voilà que tu es en train de fabriquer d'autres peureux comme tes enfants. Ils auront aussi peur comme toi. Et tu seras surpris que les gens sont là dans la distraction. Personne ne s'intéresse à la chose publique. Alors que chacun a droit. Hi, mister. How are you? Fine. Yeah, bro. Good. Yeah, I am online. Okay. Tu vois comment ils sont sympas? Voilà. Les gars sont sympas là. Mais oui, bien sûr. Les gens ne veulent pas s'intéresser à la chose publique. On pense que ça appartient aux autres. On pense que non, c'est les autres qui doivent gouverner. Nous, on est derrière, on cotise seulement, eux, ils mangent. Mof, dégagez avec ça. Comme Mbanga Diaspora, tu es qui pour parler comme ça là? Tu es qui même? Hein? Si tu as le droit là, tu vois Frambia. Frambia, c'est qui, non? Dis-moi. Frambia, c'est qui? Il n'est que le fils d'un individu qui a profité de son époque, qui a eu la chance de son époque pour devenir président. À part ça là. Si on lui retire le nom de son père, il est quoi? Non, dis-moi, il est quoi? Non, dis-moi là, il est quoi? Non, tu vaux tel. Eh mon frère, laisse ça, dis donc, laisse ça. C'est ce que Macky Sall a dit hier à Ousmane Sonko, que les petits délinquants, les rebelles. Macky Sall a dit cela à Bachirou Faye. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a match? Ils sont présidents de la République. Donc, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire de moi qui m'intéresse, qui va me déranger. C'est là où je vais arriver qui m'inquiète. Voilà mon souci. Là où je vais arriver. Ce que vous dites là ne peut même pas m'arrêter. Ça ne peut même pas m'arrêter. Vous savez que vous pensez à... Voilà. Comme là maintenant, je vous ai dit l'autre jour que je vais venir à Bourboudou. Mais voici, je suis là arrivé. Donc demain, moi, je vais entrer pour visiter les chambres qui sont à l'intérieur. Il y a les chambres à l'intérieur. Hein? Il y a les chambres à l'intérieur. Donc, jeune Africain, voilà ce qui est intéressant. Laissez écrire son passé sur terre. Dis qu'un jour j'ai vécu. L'essentiel n'est pas de vivre de 100. L'essentiel n'est pas d'avoir 100 ans sur terre. L'essentiel, c'est de laisser les traces pour des millions d'années. Voilà. Depuis 800. Depuis les années 800. Donc ça veut dire que ça a plus de 1200 ans sur terre. Ce bâtiment-ci-là. Ça a plus de 1200 ans sur terre. Donc depuis 800 qu'on a conçu ça, les bouddhistes, les Indonésiens ont changé de religion. Ils ont changé. Aujourd'hui, ils sont musulmans. Mais ils respectent ça. Parce que c'est l'œuvre de leurs ancêtres. Est-ce que tu as compris? Donc je m'en fous de ce que tu peux dire de moi. Mbanga Diaspora, non, ça va rester à jamais que le gars là. Et je veux même qu'on me tue. Je sais même qu'on m'envoie en prison. Mais je suis content. Go, tu vas rentrer au Cameroun quand? Je rentre bientôt, petit salopard. Moi, je sors comme ça du Cameroun. Tu ne pas tout. Je me mets à l'aise. Vois pas que je suis devenu frère. Hein? Tu vois pas que je suis devenu frère. Regarde-toi, tu vois pas que je suis devenu frère. Comment je suis devenu frère? Donc, tu penses que tout le monde qui va avaler la poussière à chaque jour. Moi aussi, je ne peux pas me balader. Hein? Je suis devenu frère, non?
Cancan Chaka, Cancan Option. Alors, il y a des choses qui y a ça au pays. Il y a des choses qui n'y a pas au pays là-bas. Non, parlons peu, parlons vrai. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir au pays. Ah, tu peux tout avoir, mais pas le beau teint. Trop de poussière, la saleté. Ça se verse sur le corps des gens. Hein? Voilà, voilà, c'est ce qu'on a besoin, les gars. Donc, vos histoires à deux balles là. Que wow, nanani, nanana, Banga Diaspora, wow. Ils m'ont fouetté, ça a fait quoi? Ça a changé. Moi, voici heureux, non? Ce sont eux qui vont mourir. Mais je vais tous les hanter. Ah, je vais les hanter. Il y a un qui m'a vu la dernière fois à Carrefour. Il a voulu acheter ma... Il a failli payer ma facture. J'ai dit, monsieur, laissez. Il a insisté, j'ai crié. Il a fui ça. Voilà. Un capitaine, hein? Un capitaine. L'un de mes tortionnés qui m'a torturé. Il a failli acheter mes choses. Il a dit, monsieur, il faut laisser. Pardon, il faut... Voilà, c'est clair. Ah, c'est clair. Voilà ce qu'on a besoin. Petit frère, quand tu vis sur terre, il faut laisser les choses pareilles. Voilà ça. Ça va nourrir des générations en générations. Hein? Quand tu fais tes choses, les gens se moquent. Mais il est en train de faire même quoi comme ça là. Voilà ça aujourd'hui. C'est les hommes qui ont fait ça. Ils sont déjà morts. Aujourd'hui, les milliers de personnes. Les milliers de personnes aujourd'hui viennent payer. Et la ville où s'est installée profite. Voilà. La ville où cette œuvre aussi là, architecturale, fait profiter les populations de la ville. Ah oui. Et que c'est une richesse, c'est une en fait, c'est déjà un patrimoine mondial. On dit que c'est patrimoine mondial, septième. Regardez. Les gars, ils sont morts. C'est encore plus en sécurité. Regardez comment. Regardez l'espace qu'on les a laissé. Et les gars, ils sont morts, continuent à protéger l'espace. Alors dit que ici il y a les esprits. Et c'est ça, on dit que voilà les gens qui ont travaillé. Ton rêve, c'est que mon père, ma mère doivent bien manger, mes enfants doivent bien manger, et puis pour moi, ça suffit. Ah bon, bande d'imbéciles comme ça, là, égoïstes. Et vous voulez qu'on fasse des grandes choses. Tu ne peux pas construire des œuvres pareilles si tu es un individualiste. You will never. Voilà. Il faut être quelqu'un qui pense à, après lui, pour mener le genre de combat que nous, on mène. Parce que mon combat, j'endoctrine mes enfants. Moi, je vous dis là comme ça. Hein. Tous mes enfants, tu as 20 ans, va te faire inscrire sur la liste électorale. 25 ans, tu vas t'engager en politique. Quelle que soit ta position, tu rentres dans la ville que tu vas choisir vivre là-bas. Va faire ton dossier. Entre dans un parti. Choisis un parti, tu adhères. On est tout là, on veut laisser les autres décider à notre place. Et demain, on devient du cobaye. On commence à dire, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Tu étais où? Pourquoi tu ne t'es pas engagé? I'm sorry, Mister. Yeah, tu n'as pas peur. C'est la canne. Tu étais où? Hein? Tu étais où? Ils sont là, ils se sont engagés depuis à l'âge de 30 ans, 25 ans. Hein? Moi, aujourd'hui, quelqu'un veut s'engager, un ami, c'est un ami qui vient te dire, gars, tu n'as pas peur. J'ai les amis là. Banga Diaspora, tu n'as pas peur. Mon ami à mon âge, j'ai 45 ans. Tu me dis quoi comme ça là? Je suis sur la longue ligne de 50 ans, bientôt 60 ans. Tu me parles, tu me dis, je n'ai pas peur. Hein? Tu me dis que je n'ai pas peur. Moi, tu dis à moi si je n'ai pas peur comment? Hein? Comment tu peux dire à quelqu'un qui a 45 ans, à une femme qui a 50 ans, à une femme qui a 40 ans, à une femme qui a 35 ans, qui a déjà un enfant de 12 ans? Tu lui dis qu'elle n'a pas peur. Mais tu as fait comment de ton enfant? Mais l'avenir de ton enfant va te faire peur. Si tu n'as pas peur maintenant, ok? Si tu ne mets pas la peur de côté là, l'avenir de ton enfant va te faire peur. Parce que quand tu vas voir les réalités, que hey, l'enfant s'il va même se marier un jour. Mais l'enfant s'il va même se marier. Mais ma fille va se marier. Parce que quand tu penses que la situation va mal avec ton fils, il n'a pas le travail. Ça veut dire que pense aussi à une éventuelle femme qui va épouser. Puisque si un gars se porte mal, il va épouser la femme comment? S'il n'a pas de travail, s'il n'a pas d'occupation. Mais oui. Comment tu veux qu'un chômeur se marie? Moi, je ne peux pas donner ma fille à un chômeur. Désolé. Je peux te donner, oui, elle va partir par sa volonté, mais oui. Mais ça ne me garantit rien. Tout le monde est content que sa fille épouse un jeune garçon qui a son petit boulot. Ils commencent ensemble. Et puis la jeune fille aussi se bat quelque part. Mais oui, c'est beau à voir, non? C'est élégant, non?
Mais c'est ça. Donc c'est ça, penser à l'avenir. Donc ta petite maison que tu as là, tu penses que ça suffit pour toi. Banga Diaspora, mon frère, ne se limite pas à ça. Banga Diaspora ne se limite pas aux immeubles, aux appartements. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'avenir de l'enfant. L'enfant doit être autonome. L'enfant doit réussir par ses propres efforts. À quoi sert l'école que l'enfant est parti avoir le master, le doctorat? Ça lui sert à quoi? S'il doit que venir hériter les choses de son père, ça lui sert à quoi? Mais, attendez, ça valait le coup de ne pas l'envoyer à l'école? Mais oui, ça lui sert à quoi? Tu n'es pas milliardaire. Tu n'es pas milliardaire. Tu n'as pas d'entreprise. Voilà que ton enfant compte maintenant pour que tu meurs, pour avoir une position dans la vie. Ou bien toi-même, tu souhaites que le jour que tu vas mourir, qu'il reste dans ta maison. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une réussite. Et tu ne veux pas participer, tu as peur. On dit engageons-nous en politique. C'est toi qui me mets la peur. Moi qui ai engagé. Moi qui dénonce. C'est toi qui me mets la peur. Si tu as peur, tu fermes ta gueule. Joue au guignol. Commente. Vois la vie. Tu vas tout commenter même sur ton enfant demain. Quand ton enfant va échouer, tu vas parler comme tu es en train de commenter là. Et ça ne changera rien. J'ai dit mes enfants, 20 ans, tu t'engages. Tu t'engages. Va voter d'abord, tu vois comment ça se passe. 25 ans, engagez-vous. Engagez-vous. Oui, oui, je vais le dire. Ouais, 25 ans, rentre. Tu vas, c'est où tu veux. Sabonamou, ça dit, ok, va faire ta liste. Adhère dans un parti. Adhère dans un parti vide là. Adhère-moi dans un parti. N'importe quel parti. On apprend dans la vie. On apprend toujours. L'essentiel, c'est d'adhérer, quoi. Il adhère. Il va voir comment ça se passe. Hein? Il apprend, il apprend, il apprend. On a peur de tout. Tout, c'est la peur. Avec les femmes d'aujourd'hui, tout ce que tu veux faire, elles ont peur. Mais le jour que ça marche, non, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est vous, les femmes, là. C'est vous, là. Vous êtes la cause du manque d'émancipation de certains hommes. Vous, les femmes. Parce que vous mettez la peur dans l'esprit des hommes. Non, chérie, la politique n'est pas bien. La politique, mais oui, c'est ce que je dis. Ce que je dis. Vous mettez la peur dans la tête des hommes. Un monde va se libérer comment? Si la femme dit que chérie, j'ai peur. Non, ça ne peut pas avancer. 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 Et la femme a une part de responsabilité dans ce que nous vivons au Cameroun là-bas. Parce que la femme te met la peur. Tout ce que tu veux faire. Non, j'ai ma peur. Non, j'ai ma peur, madame. Attendez, tu n'as pas peur. Mais tu auras peur de l'avenir de tes enfants. Ça va t'inquiéter. Mais celui-ci là, mon frère, multiplication d'argent. Regarde-moi les gens comme ça, dis donc. Dégage, dis donc. Vous n'avez pas honte. Et on dirait les gens, vous venez les emmerder, dis donc. Hein? Qui m'aime ça, non, dis donc. Hein? Qui m'aime ça? Hein? Les femmes doivent apprendre à encourager leur mari. N'est-ce pas, quand vous voyez Madame le maire dans la ville, vous la saluez. Eh, vraiment, Madame le maire, comment vous allez? Madame le maire, la femme du maire. Eh, chérie, viens saluer la femme du maire, c'est ma copine. Ah, tu es contente, non? Tu es contente, non? Que la copine, ta copine est la femme du maire. Que ta copine est la femme du député. Tu es contente, non? Mais pendant ce temps, tu mets la peur à ton mari de s'engager. Vous voyez? Vous voyez? Alors que l'homme là n'est pas courageux comme ton mari. Ton mari a des qualités que lui n'a pas. Il est la mère, même parler deux mots, il ne peut pas. Il est député, même dire deux mots, il ne peut pas. Tu connais les qualités de ton mari. Un bon entrepreneur peut aussi être un bon dirigeant, parce que tu gères que les hommes. Oui, oui, un bon entrepreneur est un bon dirigeant, parce que tu gères les hommes. Et c'est ça le contraire dans notre pays. Voilà pourquoi ça va mal dans notre pays. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux-là qui tiennent les manettes sont les fonctionnaires. Sont les fonctionnaires. Alors qu'ailleurs, c'est les anciens fonctionnaires qui ont démissionné pour se mettre au service du peuple. Pourquoi ils démissionnent? Pourquoi? Parce que parfois ça ne marchait plus bien. Et c'est tout à fait normal. En 5 ans, 8 ans, 10 ans, tu découvres la vérité. Et puis maintenant, voilà, la routine quoi. Tu apprends, tu te formes tous les jours. C'est possible. Je dis bien que c'est possible. Mais ce qui nous tue au Cameroun, c'est que subitement, voilà quelqu'un qui est un fonctionnaire. Non, la fonction publique, c'est la fonction publique, mon ami. Tu es un fonctionnaire. Tu reçois les ordres. Tu reçois les ordres. Alors qu'un entrepreneur, il reçoit les coups. Parfois, ça ne va pas bien chez lui, mais il est obligé de payer les gens. Mais oui, automatiquement,
Si les entrepreneurs s'engageaient en politique, c'est que ça va mieux dans notre pays. C'est que ça va mieux. C'est que ça va mieux. C'est ça le contraire. Tous ceux qui s'engagent sont les anciens fonctionnaires. Ou les fonctionnaires. Et qui utilisent leur position pour neutraliser le peuple, pour nuire les autres adversaires. Et c'est dangereux. Ouais, Sylvie Ngekam, c'est comment? Moi, je suis au temple de Bourboudou. Donc, je vais vous laisser. Voilà, on était ensemble. Ok? Donc, engageons-nous. Ça ne sert à rien. Donc, engageons-nous. Tu as accouché ton enfant. Voilà, tu es une femme. Tu es une femme camerounaise. Tu es en Italie. Ok? Tu es une femme camerounaise. Tu as tes enfants. Tu peux avoir trois enfants. Deux qui ont pris la nationalité italienne, un a pris la nationalité camerounaise. Tu peux lui dire, va t'engager en politique au Cameroun. Tu peux l'encourager. Le parent a sa part de responsabilité. L'enfant peut être né en France. Ils sont deux. Tu divises comme les familles Gouatin. Un jouait pour le Ghana, l'autre jouait pour l'Allemagne. C'est possible, bien sûr. C'est possible, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais oui. Tes enfants peuvent être nés aux États-Unis. Tu dis à l'autre que. Tu dis à deux que. Engagez-vous pour le Cameroun. Mais oui. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Mais attendez. Si tu as peur, ne cherche pas le succès alors. Ne cherche même pas à devenir riche. Reste clochard. Parce que même quand tu as les millions, tu as les problèmes. Dans nos familles, on empoisonne les gens. Dans la vie réelle, les amis empoisonnent l'autre parce qu'il a réussi. Donc partout, la vie est en danger. Donc arrête d'emmerder les gens. Voilà. Vous avez peur. Tant pis pour vous. Et on peut, alors on va voir comment le pays va se développer. Retenez bien mon nom là. Woman. Le nom Woman, si ça va faire quelque chose. Retenez bien ce nom-ci, Woman. Vous allez voir. Voilà. Le nom Woman va faire quelque chose. À tout pour vous, c'est la peur. On est après pour mourir. Voilà. On est après pour mourir. Même l'enfant là. Voilà. Il vient au monde et il va nous quitter un jour, c'est tout. Vous voyez, on ne peut pas entrer là. Alors là, Jimmy. Bagaimana, bro? Gak bisa masuk. Untuk kuotanya sudah habis ya, bang? Ya, saya tahu lah. Ya, tapi kalau kuotanya sudah habis, gak bisa. Maaf ya, bang ya. Ya. Gak gini, bu. Nanti tak. Oke. Ouais. Y'a envie de monter là. On dit que c'est là, le nombre est suffisant, quoi. Tempat. Ah ya, c'est terrible. Tempat buat naik tayo. Nanti berat. Bisa berdiri. Voilà l'œuvre des hommes qui ont vécu avant nous. Regardez. Ils vivront à jamais. Hein? Voilà les œuvres de l'an 800. 800. Voilà ça. L'an 800. C'est là, les gens profitent. Chaque jour, près de 50 000 dollars. Pour entrer rien que là. Plus de 50 000 dollars. Sans compter ceux qui sont hein, dans les alentours. Qui se baladent là. Pour entrer là, c'est 15 dollars. Entrer là, c'est 15 dollars. Et il y a un quota de 2500 personnes tous les jours. Donc 2500 personnes, hein, c'est le quota pour entrer là. Et c'est 15 dollars une personne. Voilà. Et 15 dollars pour les étrangers, pour les Indonésiens. Hein. Maintenant, 25 dollars pour les étrangers, comme moi là. Là, je n'ai pas pu avoir la place. Là. Donc demain, je serai là. Je vais entrer à l'intérieur. Je vais payer 25 dollars. Maintenant, ceux qui sont ici aux alentours payent 5 dollars. Pour voir quoi? Pour voir quoi? Regardez. Pour voir quoi? L'œuvre de nos ancêtres. Regardez, voilà, regardez vous-même. Voilà l'œuvre de nos ancêtres. Voilà les gens qui sortent de partout. Les Italiens, Américains. Hein? Italiens, Américains, Australiens. Regardez, ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Les Indiens, eux là,
Ils ont là peut-être, ils ont réservé peut-être il y a cela peut-être 3 jours. Il y a même ceux qui réservent depuis leur pays d'origine avant d'arriver. Comme moi, j'ai réservé hier. J'ai réservé hier. Et moi, j'aurai accès que demain. Là, je paye mon argent et j'attends. Pour voir quoi? L'œuvre de nos ancêtres, ceux qui ont vécu avant nous. Donc voilà, c'est-à-dire que, dis-donc, c'est-à-dire que, voilà, voilà, j'ai envie d'être utile dans ma vie, dis-donc. Pourquoi Paul ne me tue même pas? Oh. Dis-donc, les lapiros vont vivre à jamais, non, dis-donc. Hmm? Les lapiros vont vivre à jamais. Oh. Ils vont vivre à jamais, dis-donc. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, mais mon frère, il écrit l'histoire. Oh. Hmm? Il est mort, mais il a écrit l'histoire. Toi, tu es qui? Les N.E. Wangé sont morts, mais ils ont écrit l'histoire. Les Félix Moumier sont morts, mais ils ont écrit l'histoire. Hein? Les Patrick Lumumba sont morts, ils ont écrit l'histoire. Regardez, nous sommes là dans la pluie. Les millions de personnes par semaine. Regardez. C'est ça on dit la richesse, non? Voilà ce qu'on appelle la richesse, la vraie richesse, c'est ça. Oh, les immeubles. Mon ami, ça ne meurt jamais, c'est les cailloux. C'est les cailloux, les pierres, les marbres. C'est les marbres.